bonjour tout le monde, aujourd'hui nous retrouvons Média UTT. Quelles sont vos réactions pour les premières heures de ce festival? Bah c'est cool, on s'amuse bien. Vous n'êtes pas déçus en tout cas? Non, non, ça va. Et comment vous appréhendez le thème? On a eu du mal au début, ouais. Ouais, on n'était pas très inspirés, mais finalement ça s'est débloqué, donc on est content. Vous avez eu des difficultés pour tourner ou... Surtout pour écrire. Ouais, c'est ça. Au début, on a passé quelques heures à tourner en rond, à pas avoir beaucoup d'idées, mais après, on s'est débloqué, ouais, on a écrit, et puis on a pu enchaîner sur le tournage assez rapidement. D'accord. Vous pensez pas être trop en retard par rapport aux autres? Non, ça va. On connaît bien pire que nous. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Oui, celle de McDo, ouais. Ah, vas-y. Bon, en fait, on était en manque d'inspiration hier, et vers 16h30, on a décidé d'aller manger McDo. Okay. Puis ça nous a pris 20 minutes pour trouver le sujet. Ouais, alors que ça faisait 3 heures qu'on cherchait. Voilà. C'est McDo, c'est... Ça nous a débloqué, ouais. C'est une source d'inspiration incroyable. Ok. Et comment s'est passée votre première nuit? Vous avez essayé d'écrire, de tourner, de... Alors on est rentré vers 2 heures, enfin un peu plus tôt, mais on a commencé à monter, enfin, en tout cas à dérusher ce qu'on avait tourné. Et ensuite on s'est couché vers 2 heures. Et on s'est fait réveiller par la sécurité à 4 heures parce qu'on était dans notre salle. Ils nous ont emmenés dans la salle dortoir. Oui, oui. Mais comme elle était pleine, on est resté dans le couloir à attendre qu'ils trouvent une solution. Et 10 minutes plus tard, ils nous disent de retourner dans notre salle. Pas mal comme première nuit. On espère que ça sera mieux pour la prochaine. Ouais. Pour la deuxième. Ouais. Ok, bah, peut-être un petit mot pour la fin du coup. Salut, c'est Média.